أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعتقه الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جعل عمى وما يدرك له يزكى أن يذكره فانتفعه ذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك تأهل يزكى، وأما من جعك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاحى، كلا إنه تذكرة. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى dit dans son livre sage: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a froncé les sourcils et s'est détourné, puisque l'aveugle est venu à lui. Et ce qui te fera savoir si peut-être celui s'y se purifie, ou s'il réfléchit de telle sorte que le rappel lui soit profitable. Quand celui qui est riche, tu l'abordes avec empressement, peu importe qu'il ne se purifie. Et quand celui qui vient à toi rempli de zèle et de crainte, tu ne lui prêtes pas attention. Non, sûrement c'est un rappel. Sadaqallahu alayhi. Encyclopédie chiite. Je vais discuter là de cette sourate à travers, bien sûr, l'auteur qui a écrit Encyclopédie chiite. Je commence. L'occasion pour la révélation de ce chapitre était un événement historique. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec une certaine personnalité riche de Quraysh, de la tribu Omeyyade. Parmi eux se trouvait Osman ibn Affan, qui plus tard a pris le poste du califat, bien sûr du califat usurpé. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les prêchait, Abdullah ibn al-Maktoum, qui était aveugle et l'un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour le voir. Le saint prophète l'a reçu avec l'honneur et le plaisir et lui fit une place dans l'assemblée. Cependant, le prophète n'a pas répondu à la question de l'aveugle immédiatement, puisqu'il était au milieu de son discours avec les Quraychites. Puisqu'Abdullah était pauvre et aveugle, les chefs du clan Quraychite l'ont dévisagé avec mépris et n'ont pas aimé l'honneur et le respect accordé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont également pas aimé la présence de cet aveugle qui interrompit leur conversation avec le prophète. Enfin, l'un des Omeyyades, à savoir Osman ibn Affan, l'arnatullah alayh, a froncé les sourcils envers Abdullah et s'est éloigné du groupe, suivi par son clan. L'acte des chefs de ce clan a contrarié Allah et révélé ainsi le chapitre 80, que j'ai lu plus haut. Abasa. À cette occasion, ce chapitre parle des pauvres et de la position d'Abdullah qui était aveugle. Dans les quatre premiers versets, Allah a dénoncé l'attitude détestable du chef Quraychite. Puis dans les versets postérieurs, Allah rappelle son prophète qu'il n'est pas nécessaire de prêcher à un non-croyant s'il ne prévoit pas la purification de son âme et offense un croyant juste en raison de son manque de richesse et de santé. Néanmoins, il y a quelques commentaires Bakri qui prétendent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une morale ordinaire et l'accuse d'avoir insulté Abdullah en fronçant les sourcils. Par ceci, ils essayent de prétendre qu'il était faible de caractère et de conduite. C'est tandis que celui qui a insulté le pauvre homme était un membre omeyyade, qui était toujours non-musulman ou avait récemment joint les compagnons, à savoir Osman. Pourtant, certains, afin de protéger la notoriété d'Osman d'une telle conduite, n'ont pas hésité d'accuser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une telle action. Oui, c'est possible donc qu'il n'était même pas encore converti, Osman, puisque il était parmi cette assemblée Quraychite. Donc, soit il s'était converti, soit il venait juste de se convertir à l'islam, soit il faisait partie des chefs Quraychites avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dialoguait pour argumenter sur l'islam. Pourquoi certains, afin de protéger l'autorité d'Osman d'une telle conduite, n'ont pas hésité d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une telle action? Une telle distorsion de l'événement a été faite par les Omeyyades pendant leur dynastie par des narrateurs payés. Il est bien connu que les Omeyyades aient été les ennemis les plus ardents de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. En tant que tel, il n'était pas concevable que leur chef Osman soit réprimandé dans le Coran. Ainsi, les pseudo-savants de cette dynastie enregistrèrent que ces versets furent révélés pour réprimander le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non Osman, achalillah. Le but d'un tel mensonge était de préserver la dignité d'Osman avec le prix d'humilier le maître de tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'opinion de quelques commentaires mukhallif. On dit que ces versets sont descendus concernant Abdullah ibn Maktoum, se nommant Abdullah ibn Shari, ibn Malik ibn Barbira el-Firri, de la tribu de Bani Amir ibn Luhay. Il est venu chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il essayait de se convertir à l'islam. El-Habbas ibn Abdel Muttalib, Utba ibn Abir, Abu Jahl ibn Hisham, Hubay et Umayya ibn al-Khalaf,
C'est le prophète, pardon, j'ai mal, essayé de convertir à l'islam ces gens-là. C'est-à-dire que c'est pas il essayait de le convertir, de convertir Abdellah ibn Maktoum. Abdellah ibn Maktoum. Non, c'est le prophète qui essayait de convertir l'islam, à l'islam, à Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, Utba ibn Rabi'a, Abu Jahl ibn Hisham, Hubay et Umayya ibn Khalaf. L'homme aveugle a dit au messager d'Allah, enseigne-moi ce que Allah t'a enseigné. Il a continué à appeler le prophète et à répéter ses réclamations, ne sachant pas qu'il était occupé avec quelques personnes, jusqu'à ce que la haine soit apparue sur le visage du messager d'Allah. Na'oudou billah, subhanallah, la haine. Pour avoir été interrompu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interpellé par ses Quraychites d'avoir comme disciple cet aveugle et des esclaves. Ainsi, il s'est détourné de lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se serait détourné de cet aveugle et fait face au peuple. Il a fait face au peuple. Alors les versets ont été révélés. Ensuite, le messager avait l'habitude d'être aimable avec lui lorsqu'il le voyait déclarer: Bienvenue à celui que mon Seigneur me reprocha par lui. Il avait l'habitude de lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit. Par la suite, le messager le nomma député de Médine à deux reprises. Le commentaire Bakri ci-dessus a été également mentionné dans Dur et Al-Mansour par Suyuti avec quelques différences mineures. Abou Al-Mardoudi, qui est un autre commentateur Bakri du Coran, a une vue plus modérée. Voici son interprétation du verset 80 de la sourate 80, verset 17. Le verset 17, c'est lequel? A'oudou billahi samia al-ralim min ash-shaytan rajim. Qutila l'insan ma akfarahu. Périsse l'homme comme il est mécréant. Ici, le mécontentement a été exprimé pour les mécréants qui étaient indifférents au message de la vérité. Ainsi, avant ceci, le commencement du chapitre du verset 1 à 6, s'adresse est cependant dirigée vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, la réprimande était plus sévère envers les infidèles. Commentaire du Coran par Boual al-Mardoudi, page 1005, sous le commentaire du verset 17 de la sourate 80, publication islamique, Lahore. Bien entendu, c'est complètement faux puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran parlant, et donc il n'y a pas un comportement qui est en contradiction avec le Coran. Si Allah subhanahu wa ta'ala réprimanderait son prophète, ça voudrait dire qu'ils sont en contradiction claire avec des versets coraniques et avec Allah, chose qui n'existe pas. Les décisions d'Allah vont avec le prophète et le prophète prend des décisions qui sont forcément avec Allah. Cependant, le Coran ne démontre pas que la personne qui a froncé les sourcils à l'aveugle était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'énonce à son adresse. Dans les versets ci-dessus du Coran, Allah n'adresse pas le nom ou le titre au prophète, c'est-à-dire au Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa al-ajjal farajahum wa alayka da'ahum, ou au prophète ou au messager. D'ailleurs, il existe une commutation dans le pronom lui dans les deux premiers versets et tu dans les versets postérieurs du chapitre. Allah n'a pas énoncé, tu as froncé les sourcils et tu t'es détourné. Le Tout-Puissant a énoncé, il a froncé les sourcils et s'est détourné tandis qu'il était avec le prophète, donc le verset numéro 1, parce que l'aveugle est venu à lui, numéro 2. Et qui te fera savoir si celui-ci se purifie? Le verset numéro 3. Même si supposons que le te dans le troisième verset, c'est-à-dire et qui te fera savoir si celui-ci se purifie, s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est clair que dans les trois versets ci-dessus, le terme il, lui, celui qui a froncé les sourcils, et te s'adresse à deux individus différents. Les versets suivants soutiennent ceci aussi bien. Quand celui, c'est-à-dire le chef du clan Meïad qui est riche, le verset 5, tu l'abordes avec empressement, le verset 6. Ainsi, celui qui a froncé les sourcils n'était pas le prophète. Tu as la distinction entre celui, il, lui et eux. Dans les versets 80, dans la sourate 80, verset 6, tu l'abordes avec empressement. Allah adresse son énonciation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui prêcha les membres arrogants de Quraysh, dont l'un d'eux fronça les sourcils à l'aveugle, quoique Abdullah ibn Maktoum soit venu plus tard. La raison est que la prêche envers les gens qui n'ont pas l'intention de se purifier jusqu'à froncer les sourcils incroyants n'est pas fructueuse. D'ailleurs, froncer les sourcils n'est pas les manières et la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même envers ses ennemis évidents et encore moins à l'encontre d'un croyant cherchant des conseils. On peut s'interroger sur la cruauté d'une personne, c'est-à-dire un prophète qui avait été envoyé comme pitié, comme miséricorde à l'humanité, quand un simple croyant n'a pas un tel comportement. Cette allégation est également en contradiction avec l'annonce sublime de sa morale et l'éthique du saint prophète par Allah lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 68, le verset numéro 4, sourate Al-Qalam, et certainement tu as une moralité imminente ou tu as une morale sublime.
68. Verset numéro 4. A'udhu billahi samia al-alim min ash-shaytan wa-ajim. Wa innaka la khuluq al-adim. Sadaqallahu al-alim. Un homme qui insulterait autrui ne mérite pas de tels compliments. On convient que la sourate Al-Kalam, chapitre 68, a été révélée avant la sourate Abbas, c'est-à-dire Abbasa, chapitre 80. On a même enregistré qu'elle a été indiquée après la sourate Iqra, chapitre 96, le premier chapitre indiqué. Donc, tu as une moralité sublime, ça a été bien avant, comme quoi il serait à renfrogner. Donc, ça ne peut pas, il ne peut pas rejeter la vogue de cette manière. Comment pourrait-il être raisonnable qu'Allah accorde du moral sublime sur sa créature au commencement de sa prophétie et se retourne ensuite pour le reprocher et le critiquer sur une certaine crainte apparente dans sa moralité? En outre, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit: et avertis tes proches et sois aimable avec les croyants qui te suivent. La sourate 26, verset 214-215. Il me semble qu'il y a un problème dans la référence. Je n'ai pas vérifié les sourates. Toujours je. Si, c'est fort possible. Non, c'est la sourate Shuara, donc elle est assez longue, la sourate des poètes. Verset 214-215. A'udhu billahi samia al-ranim min ash-shaytan rajim. Wa andir ashirataka al-aqrabin. Wa fid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Sadaqallahu al-ranim. Avertis tes proches. Et abaisse ton aile envers les croyants qui te suivent. Il est bien connu que ces versets furent les toutes premières révélations mécoises. Les mêmes mots peuvent être trouvés à la fin du verset 15, non, de la sourate 15, verset 88. Donc la sourate, elle est l'Hijr, le verset 88. Déclare. Par conséquent, ouvertement, ce qui t'est ordonné d'une toi des polythéistes. Non. 15,88. Oui. Baisse plutôt ton aile sur les croyants. A'udhu billahi samia al-ralim min ash-shaytan rajim. Wa fid jahannaka lil mu'minin. C'est-à-dire le même. Sadaqallahu al-ralim al-ralim. Le même terme que dans le verset 215 de la sourate 26. Il est bien connu que ces versets furent les toutes premières révélations mécoises. Les mêmes mots peuvent être trouvés à la fin du verset 88 de la sourate 15. Allah exalté, a en outre dit, subhanahu wa ta'ala, déclare par conséquent ouvertement ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. La sourate 15, donc toujours sourate Al-Hijr, verset 84. A'udhu billahi samir al-rali min ash-shaytan jim, fasda bima tumhar, warid anil mushrikin, sadaqallahu al-rali al-rali. Il a été ordonné qu'il se détourne des polythéistes dans ce verset, qui est l'un des tout premiers versets du début de l'appel de l'islam, après la période initiale secrète. Comment peut-on imaginer qu'après tous ces comportements, le grand et aimable prophète, sallallahu alayhi wa sallam, errerait alors que ces versets ultérieurs exigent une amabilité envers les croyants qui se détournent des mécréants? Les commentateurs du Coran de l'école des Ahlul Bayt, l'école, bon, selon lui, c'est une école, mentionne que même l'interrogation dans le troisième verset ainsi que la quatrième verset sur le sujet, qu'Abdallah douterait de bénéficier de l'entretien avec le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est impossible. Cela ne proviendrait que d'une personne qui ne se rendrait pas compte de la spiritualité de l'islam. Ceci ne pourra jamais se produire dans l'esprit du saint prophète, qui était envoyé pour prêcher la foi à l'humanité, indépendamment de n'importe quelle position mondaine du peuple. Versets 3 et 4, on va revenir. Donc, et qui te fera savoir si peut-être celui-ci se purifie ou s'il réfléchit de telle sorte que le rappel lui soit profitable. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas douter de l'importance de diriger Abdullah. Basé sur cela, il conclut que le mot te, dans le troisième verset, ne s'applique pas spécialement au prophète, mais plutôt s'applique à l'un des participants au Meyad, et qu'aucun des quatre premiers versets de ce chapitre, la sourate 80, verset 1 à 4, ne s'adresse au prophète, quoique les derniers versets lui soient adressés. Ceux qui ont connaissance du langage coranique et le lisent en arabe original se rendent compte d'un renversement entre la première personne et la troisième personne du singulier dans un même verset. Dans de nombreux versets du Coran, Allah change l'adresse brusquement et comme tel, il n'est pas toujours facile de le figurer, connaître la personne lorsque le nom du destinataire n'est pas mentionné. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous référer au Ahlul Bayt, alayhi salam, pour l'interprétation du verset du Coran, puisqu'ils sont fermement enracinés
dans la connaissance. Sourate 3, verset 7, c'est la sourate Ali Imran. Je pense que vous voulez que je revienne. Je ne sais pas si je veux revenir, c'est utile de revenir. Bon, on est là pour ça. Hein. Mais c'est un verset maintes et maintes fois cité dans mes différentes publications. Et même dans ses réfutations, j'avais cité cela. Donc les gens du rappel. Donc Al-Dhikr, bon, vous pouvez revenir au verset, c'est pas important. Et donc dans la sourate 3, verset 7. Oh, je vérifie si c'est 3. Non, oui, c'est Ali Imran de toute façon. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le verset 7. Al-Dhikr. Oui. Ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance, pardon. C'est dans la sourate 3, verset 7. Et rassekhon fil ilm. Donc c'est bien là. Les gens du rappel, la sourate 16, verset 43. Donc la sourate An-Nahl, la sourate des abeilles. A'oudhou billahi samia al-ghani min ash-shaytan rajim. Fasallu ala dhikr in kuntum la ta'lamoun. Interrogez si vous ne savez déjà les gens du rappel. Hein, ce n'est pas les savants comme les moukhalifines vont nous interpréter. C'est au milieu du verset jusqu'à la fin. Un autre verset qui va dans ce sens-là, la sourate 21, verset 7. Donc la sourate El-Anbiya, la sourate des prophètes. C'est le même verset. Hein. Ce n'est pas le même verset, c'est la même phrase. Au milieu du verset jusqu'à la fin. A'oudhou billahi samia al-ghani min ash-shaytan rajim. Fasalu ala al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Et sont les personnes purifiées qui ont touché la signification du Coran. Donc seuls les purifiés le touchent. Hein, donc là, qui sont ceux qui l'interprètent le Coran. C'est la sourate 56, sourate El-Waqi'a, hein, sourate l'événement, le verset 79. A'udhu billahi samia al-ghani min ash-shaytan rajim. La yamassuhu ila mutahharun. Sadaqallahu al-ghani al-ghani. C'est très important, Mouta Haroun, et non pas Mouta Hérine, parce que Mouta Hérine, c'est ceux qui se purifient, qui ne sont pas tout le temps purifiés. Mais ceux qui sont purifiés de l'intérieur, c'est Mouta Haroun. Donc purifiés pour pouvoir. Seuls eux peuvent toucher au Coran, seuls eux peuvent commenter le Coran. Alayhum salam. On relate que l'imam Sadiq, alayhi salam, a dit, il est descendu sur un homme omeyyade, en parlant de cette sourate. Il était en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Umm Maktoum est venu. Quand il l'a vu, quand il a vu, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il, c'est-à-dire là, Osman, la ratullah alayhi, l'a dédaigné, fronça les sourcils et détourna son visage de lui. C'est-à-dire, c'est Osman qui se détourna. Il se détourna de lui, de Ibn Maktoum, et se retira. Ainsi, Allah a révélé cette sourate dans la désapprobation de son action. En outre, on rapporte de l'imam Sadiq alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les fois que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voyait Abdallah Ibn Maktoum, il disait, bienvenue, bienvenue par Allah, tu ne trouveras jamais. Allah me fait des reproches par toi. Ça fait référence toujours à Sourate Abasa, donc du verset 5 à 11 que j'avais cité précédemment au tout début de cet audio. Il avait l'habitude d'obtenir tellement la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait l'habitude d'éviter, étant en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en raison des mérites que le prophète l'utilisait pour lui. Il évitait d'être en présence du prophète pour éviter les louanges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est un peu étonnant, mais bon. Dans le tafsir de Sayyid Shoubar al-Qummi, on rapporte que le verset a été indiqué au sujet d'Osman et Ibn Maktoum, qui étaient aveugles. Donc là, c'est tout ça, Imam Saadir, tafsir de Sayyid Shoubar al-Qummi, c'est les tafsirs de Ahlul Bayt, anhum salam, tafsir chiite. Le verset a été indiqué au sujet d'Osman et Ibn Maktoum, qui étaient aveugles. Il est venu chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il était en compagnie des compagnons. Et Osman était présent. Le messager l'a présenté à Osman, il fronça les sourcils et tourna son visage, puis est parti. Allah dit dans le Coran au sujet du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni il parle de son désir, ce n'est rien que la révélation qui est révélée. Sourate 53, verset 3 à 4. Donc c'est la sourate An-Najm. A'udhu billahi samir al-ghani min ash-shaytan rajim, wa yantiqu anil hawa, in huwa ila wahyin yuha. Donc la sourate de l'étoile.
Ainsi, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse dire quelque chose de blessant si ses discours sont la révélation ou l'inspiration? Le prophète ne parle jamais hors de son propre désir. Il est intéressant de noter que les Bakriyin confirment que le chapitre Abbasa, chapitre 80, fut révélé bien après le chapitre Najm, le chapitre 53, où il énonce que le prophète ne parle pas hors de son désir. En outre, le verset 33 de la sourate 33, donc le verset de la purification qu'on a maintes et maintes fois lu dans cette encyclopédie du Saint-Coran, confirme que les Ahlul Bayt sont parfaitement purs et impeccables. Nous tous savons que la vertu du prophète était plus haute que celle de sa famille. Il est également compté parmi les Ahlul Bayt, alayhim salam. Alors comment peut-il offenser un croyant ayant une pureté parfaite? Notez ce verset. Peu importe de prêcher cet homme, ce chef arrogant qui ne se purifie. Donc c'est la sourate, toujours la sourate Al-Abasa, je vous l'ai lu au début, le verset 7. Ce qui précède ne signifie pas que le prophète a fait une erreur, parce que Allah emploie l'expression peu importe où il n'était pas, où il n'est pas nécessaire. Cela signifie que le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas erroné, mais n'était pas nécessaire ou important de le faire. En outre, lorsqu'Allah énonce dans le verset 7, son commentaire est ainsi: la prédication vers lui n'est pas nécessaire ou important. Si celui-ci, le Qurayshite, ne se purifie pas, bien que le prophète n'a pas su à l'avance que ce Qurayshite allait froncer les sourcils à l'aveugle. Bon. Il ne savait pas, bon, ça reste critiquable, mais bon, de toute façon, l'encyclopédie qui répond aux Khalifines, quelquefois dans la croyance, on utilise une argumentation plus basse que notre croyance pour pouvoir se mettre au niveau et leur argumenter. Donc, si la condition, la purification de l'âme, n'a pas été satisfaite, la prédiction du prophète n'était pas nécessaire avant le moment où l'homme a froncé les sourcils. De toute façon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas réprimander quelqu'un avant qu'il fasse un acte. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas la question qui serait ou qui ne serait pas. C'est comme avec Ibn Munjim, l'assassin de l'imam Ali, alayhi salam, que l'imam savait pertinemment, quand il a trouvé dormir sur le ventre à la mosquée de Koufa, qu'il allait le tuer. Et d'ailleurs, on lui a posé la question: pourquoi tu ne le tues pas? Il a dit: je ne le tue pas parce qu'on ne peut pas exécuter quelqu'un avant qu'il ait fait un acte. C'est impossible. Après, les gens vont dire: il tue des gens comme ça au hasard, c'est un criminel. Alors qu'avant même que quelqu'un fait quelque chose. D'autant plus qu'il peut avoir le tawba, il peut se repentir, il peut revenir avant d'avoir fait un acte. Et dans ce cas, ça sera compté comme une mauvaise action au niveau de lui-même, mais il n'aura pas fait l'acte. Donc sa poitrine sera jugée pour ses mauvaises pensées, mais il n'a pas fait l'acte. Donc il peut se repentir. Donc on ne peut pas exécuter quelqu'un avant même qu'il fait un acte. Et dès qu'il a froncé les sourcils, la prédication s'arrêta par le prophète, puis les versets ont été révélés. Comme nous pouvons le remarquer, le rappel avait lieu pour l'avenir, de même que le cas d'un autre verset du Coran, où Allah rappelle son prophète qu'il ne doit pas se tracasser des personnes, puisque certaines d'entre eux peuvent ne jamais être guidées, qu'ils ne doivent pas se sentir malheureux à leur sujet. En conclusion, nous avons fourni des évidences du Coran, des hadiths, de l'histoire et de la grammaire arabe pour soutenir que les premiers versets de ce chapitre ne se rapportent pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a froncé les sourcils à l'aveugle était Osman ibn Affan. Nous l'avons également mentionné que le verset 5 à 11, les versets 5 à 11 de la sourate 80 étaient juste un rappel à l'avenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prédication d'un non-croyant n'est pas fructueuse si celui-ci n'essaye pas de se purifier. Les références chiites, c'est El-Mizan, par Tabatabai, la version arabe, verset 20, volume 20, pardon, page 222 à 224. El-Jawar, El-Samim, fit tafsir al-Kitab al-Mubin, par Sayyid Abdullah Shobba, volume 6, page 363. Je vous rajoute quelques commentaires. Un frère, bon lui il appelle un frère, donc un Bakri a mentionné que les savants du Tafsir ont enregistré que les versets du chapitre 80 furent révélés après le prophète essayait de convaincre les quatre personnes les plus puissantes de Quraysh à joindre l'islam, à savoir Utba ibn Arbir, Abu Jahl, entre Amr ibn Hisham, Abu Jahl il avait comme son vrai nom Amr ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf et son frère Obeyn. Aucune mention d'Osman ibn Affan. En outre, Al-Qurtubi mentionne dans son livre de Tafsir que ces versets sont médinois, indiqués à Médine, alors qu'Osman était déjà musulman à ce moment-là. Ma réponse est la suivante. Les musulmans conviennent que le chapitre Abbasa, chapitre 80, était révélé à la Mecque longtemps avant la migration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Plus intéressant encore, ils conviennent que chapitre 80, était indiqué bien après la sourate Al-Najm, chapitre 53, où Allah mentionne que le prophète ne parle pas hors de son désir. Encore basé sur les Bakri, le chapitre Najm était la 23e sourate révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que celle d'Abbasa, chapitre 80, était la 24e.
De plus, ces deux sourates furent les toutes premières révélations mécoises. Peut-être qu'El-Qurtubi a mentionné cela simplement pour dériver l'attention du lecteur sur la question d'Osman adressée dans ce chapitre et préservant de ce fait son intégrité avec le prix d'accuser le prophète sallallahu. Ils le font très souvent. Ils le font très souvent. Ils sont même au ridicule, donc là ils préfèrent préserver Osman que le prophète. Ils sont tellement ridicules que parfois on leur dit le prophète est infaillible, ils nous ramènent des versets coraniques pour dire comme quoi le prophète n'est pas infaillible. Vraiment, c'est répondre pour répondre. C'est-à-dire là, on ne remarque même pas qu'on est en train de privilégier plus Osman, la et que le prophète, ça leur pose pas de problème. On ne doit pas salir Osman, par contre, salir le prophète, c'est possible. Vraiment, adou Allah, c'est les ennemis d'Allah, wallahi. Vous mentionnez aussi dans le rapport ci-dessous que l'un des Qurayshites à qui le prophète parlait était Abu Jahl. Que faisait Abu Jahl à Médine? Vous savez, frère, qu'Abu Jahl a habité la Mecque. Donc là, il s'adresse à celui, le Bakri, qui lui a voulu lui répondre. Il était l'un des plus grands ennemis du prophète et ne s'est jamais déplacé à Médine pour voir le prophète, sauf pour accomplir la première bataille, Badr, la bataille de Badr, de l'islam, où il fut tué. Les autres personnes mentionnées dans un rapport ci-dessus, Utba et Omeya, ont également été tués avec leur chef, Abu Jahl, dans cette bataille. Ils n'ont jamais eu la chance de rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la migration du prophète, excepté dans le champ de bataille à Badr, où leur cadavre a été jeté dans un puits. C'est terminé, la prochaine fois, Inch'Allah, nous commencerons plusieurs parties sur l'infaillibilité des prophètes. Yaktafi Bad al-Qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa tatir tayrin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.